C'est très dur de voir des cadavres décomposés, un demi-femme, un demi-homme, sans jambes, sans tête, très décomposés, surtout lorsque vous voyez des enfants, c'est très touchant parce qu'ils sont innocents, ces enfants. Pourquoi ces enfants meurent? Et moi, parfois, je me demande qui prend la responsabilité de ce qui se passe dans le Méditerranée. Ce que je fais, ce n'est pas n'importe qui peut le faire, parce que si vous ne sentez pas les choses, que tu sens que tu veux faire quelque chose pour ces gens-là, tu ne peux pas le faire. Tu peux être volontaire avec les vivants, mais avec les morts, c'est une chose que tu sens. Je viens ici trois fois par semaine parce que je ne suis pas immobilisé, mais pour moi je veux être tous les jours ici parce que c'est calme, je peux même parler avec ces gens-là. Mais moi je ne veux plus voir des cadavres et il faut résoudre ce problème très vite. Je demande l'Europe où elle est, au lieu de protéger les frontières, protéger ces gens-là.